Bite chat. Cool. Salut. Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo mon cul, sale pute. Et oui, Martine, la Saint-Valentin approche à grands pas le 14 février, la journée des amoureux. Des couples en profitent pour s'échanger quelques mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Mais putain, on s'en bat les couilles, Martine. Je m'en bats les couilles. You crazy, man. C'est la fête de la bite. Sucez un maximum de bites. Alors pour toutes les Martines célibataires qui n'ont plus vu de phallus hein, depuis 2006, bien, j'ai une bonne nouvelle et ouais, putain. Hey, yeah. Alors grâce à ce tuto, Martine, aujourd'hui, t'es chance de peut-être un jour pouvoir ressentir des poils pubiens de très près s'élèveront fortement. Un petit peu comme la bite que tu vas mettre en bouche. Ouais, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, on part sur un make-up de meuf en chien. Mais attention Martine, pas un make-up de pute, mais bel et bien un make-up de pute de luxe. Oh ouais. Là, on parle clairement d'une call girl. Le genre de nana qui ne touche pas le moindre gland en dessous de 500 euros. Alors clairement, aujourd'hui, on va privilégier les couleurs très, très, très chaudes, légèrement dorées, orangées, avec une belle bouche à pipe, bien évidemment, une belle bouche rouge foncé, un peu la même couleur que tes premières règles, Martine. Si avec ce maquillage tu n'arrives pas à choper le moindre mec, clairement je ne peux plus rien pour toi. Tu finiras seul avec la chatte entièrement desséchée, un petit peu comme le désert du Nevada en plein mois de juillet, seul au monde. Alors, première étape, Martine, tu vas te prendre un petit Tupperware placement de produit avec un peu d'eau tiède qui dit Saint-Valentin, dit forcément une bouche bien soyeuse. On va prendre un lip scrub. Alors moi, j'ai acheté Hello Body. Pour le coup, je l'ai vraiment acheté. Le Coco Kiss, donc c'est rose bonbon, tout mignon. Tu vas en prendre un tout petit peu et tu vas aller ça sent la rose et le coco, parce que ça s'appelle Coco Kiss, forcément. Tu vas aller frotter, enfin non, tu vas gratter. Tu vas aller gratter toutes les petites peaux mortes, tu peux même aller un petit peu au-dessus là, tu vois. Ça enlève un peu les ridules aussi, c'est pas mal. Faut pas le manger, hein. Frotte bien. Ah, j'ai déjà des petites peaux là qui sont en train de se détacher, c'est parfait. Voilà, quand ça c'est fait, tu rinces la bouche. Tu rinces bien, Martine. Ça va te laisser une petite pellicule toute douce. T'as vu ça? C'est doux. Voilà, tu vois, parfait. Donc ça, c'est la toute première étape, hein. Donc on scrub bien le concealer au niveau des yeux, c'est parti. Voilà, je prends mon petit miroir, c'est parti. Tu étales. Putain, c'est vraiment doux. Hein. Jimmy, Chou, ouais. J'ai les lèvres toutes douces, je me suis fait un scrub. On va tester le scrubomètre. Chou, viens toucher mes lèvres et dis-moi si elles sont douces. Ah, touché. Alors, fou ou pas? Ouais. Embrasse. Ça, hein. Ouais, c'est bien. Fais-moi un bisou. Alors, c'est doux? Bah, c'est du café, quoi. Mais non, c'est du coco. Oh là là. Qui sont cons, ces hommes. Alors, pour ce make-up, on va commencer par les yeux. On va prendre notre petite palette MAC. On va aller prendre notre petit pinceau blender, mais qu'on va utiliser pour faire la base. Je vais prendre l'orangé, celui-ci. Et c'est parti. On va en mettre au niveau du bas de la paupière. Comme ceci. Parfait. Pareil de l'autre côté. Et tu sais ce qu'on dit, Martine? Faut que ça brille. Vraiment un orangé un peu shiny avec un petit shimmer dedans. Enfin, c'est vraiment très 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 beau. Faut que ce soit vraiment pareil de chaque côté. Sinon, tu as vraiment l'air d'une conne. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va blender ma gueule. Très léger. Comme ceci. Et là, étape suivante. On va aller prendre une couleur. Ah bah voilà. Au passage, j'ai mis ma caméra sur la saga Twilight. Je les ai tous lus. Et Team Jacob quoi. Là, tu vas aller prendre en fait un brun plus foncé et un plus doré. Et tu vas les mélanger légèrement. Au passage, ça c'est ma Shape Box qui est dans un état lamentable, mais qui est toujours opérationnelle. Et là, tu vas aller uniquement dans le creux et sur le côté. Comme ça. Tu vois? Comme ceci. Tu fais un petit V en fait. Tu vois là? Tu vois comme je creuse? N'hésite pas, hein, à aller bien loin. Tu te rappelles Martine, hein? Regarde chienne, regarde pute. On va chercher la profondeur, on va chercher le regard de biche. Au plus loin tu vas, au plus longue sera la bite que tu suceras. Quand t'as fini de creuser, on va aller un petit peu blender au niveau du haut. Faut vraiment que ce soit hyper homogène. C'est vraiment un smoky, hein, donc il faut qu'il y ait un vrai dégradé, pas de ligne. Comme ceci. Alors maintenant, on nettoie toutes les merdes qui sont tombées. Parfait.
Avant de faire le bas des yeux, on va faire le teint. Nouveau petit produit. J'étais pas du tout fan il y a quelques années des produits Plaidissage, mais ils ont ouvert une toute nouvelle gamme de produits pour le visage, des bases de teint, même des fonds de teint, des shimmers incroyables. Ça par exemple, j'ai dégoté, c'est la base de teint. Donc ceci, c'est la base matifiante visage, entièrement transparente, c'est un gel. On va en prendre un tout petit peu. Bonjour le bouton. Je mets une petite cacahuète à gauche, une petite cacahuète à droite. D'ailleurs, ça va un petit peu ressembler à ce que tu vas avoir en bouche en fin de soirée. Par là, je veux dire du sperme. Et maintenant, on frotte tout doucement, bien en dessous des yeux, parce que ça évite d'avoir des lignes de fond de teint au niveau des poches de cerf, donc ça, c'est vraiment top. La zone T, c'est doux à mort. On prend notre fond de teint, et là, poup, 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 et là, tu vas étaler ton fond de teint. On n'oublie pas le coup. Tu remontes au niveau des yeux, les oreilles. Tu reprends ton concealer en dessous des yeux, au niveau du menton, une petite ligne sur le nez, une toute petite ligne en haut à la base, des sourcils, et tu vas me blender tout ça. Là, on fait un mini contouring, en fait, hein. Un petit contourage. La beauté. Je sens l'odeur du phallus qui approche. Au passage, pour la Saint-Valentin, aussi obligatoire, les ongles, de préférence rouge également. Ça ira très très bien avec notre rouge à lèvres plus tard. Ne sois pas impatiente, Martine. Quand ça c'est fait, on passe au bas. Alors, tu vas aller prendre un petit pinceau, un pinceau tout plat. Tu retournes dans ton orangé et tu vas aller en mettre un tout petit peu, vraiment un minimum, parce qu'on va les creuser après. Et là, on va aller chercher de nouveau notre brun, côté bronze là. Et là, tu vas mettre uniquement dans le coin. Tu tapotes uniquement dans le coin. Déjà remarqué cette bouche qu'on fait à chaque fois qu'on se maquille? C'est bizarre, hein? Quand tu as fait ta ligne, tu vas aller blender légèrement tout ça. Ouais, c'est pas mal. Pré-dernière étape. Tu retournes dans le même bronze que tu as utilisé pour tes yeux et tu vas aller creuser. On remonte bien. Tu en mets un petit peu au-dessus, la base du contouring. Tu prends une grosse brosse, grosse et soyeuse, et tu vas aller blender encore une fois. On va essayer d'estomper cette ligne, surtout le dessus, n'oublie pas d'estomper un maximum. Un de mes pinceaux préférés, l'éventail. De nouveau chez Plaidissage, j'ai pris un highlighting, la poudre lumière irisée. C'est la couleur pêche, mais la vraie référence, code couleur, c'est 80. 22, 65. La racine carrée de 12 divisée par 74 est égale à X. Ils adorent nous faciliter la vie en fait. Tu vas prendre un maximum de shimmer. Regarde comme il brille bien. Oh, regarde-moi ça. Brillante comme une boule à facettes. Les sourcils. Bon, moi je trouve que ça va. Aujourd'hui, ils sont pas trop dégueu. Donc je les laisser comme ça. Je vais juste mettre un petit gel fixant. Le Brodrama de chez Maybelline en dark brown. Donc, je rappelle, hein, moi mes sourcils ils sont tatoués, donc c'est du microblading. Tout ce que tu vois là, bah c'est du faux. Le reste est du fake. Un peu de mascara en dessous. Parfait. Moment suprême. Le moment le plus important de ta vie, Martine. Le moment où tout se décide. Le choix de rouge à lèvres. Et pour ce make-up Saint-Valentin, ben, le choix a été vite fait, hein. On va aller sur du rouge. Oxblood, comme disent les Américains. Je vais me concentrer, je vais prendre mon petit miroir et je ne te parle plus pendant au moins 20 secondes. Je me concentre. Je commence par le bas. Hyper pigmenté. Ça a l'air potable. Au passage, il vient de chez Anastasia, comme d'habitude. Hein. Oh, putain, je veux dire, très bizarre comme ça de loin. Ils m'ont. Allez, on fait le dessus. On se concentre, putain, Martine, on se concentre. Oh, on y est presque. Putain, je crois qu'on est bon là. Hein. Putain, du premier coup, quoi. Pouf. Et là, Martine, tu es carrément bonne. Oh, on est sur... Et bien voilà Martine, j'espère que ce tuto make-up spécial Saint-Valentin t'aura plu. Et que tu seras un maximum de queue le 14 février, la journée de la queue. Bonne soirée. J'ai pissé et chié en même temps, peut-être. Salut.